Comme vous pouvez le voir, marqué tout d'abord, c'est un tournoi donc qualificatif. La grande finale, c'est au mois de juillet pour le SKT. Comme je sais que les trois quarts des personnes n'ont pas été regarder la vidéo de présentation du tournoi, je vais me faire un plaisir de vous rappeler comment ça va se passer maintenant, puisque la formule a un petit peu changé. Il y aura plus de tournois, mais plus petits. Voilà, et il y aura un gros tournoi qui sera plus gros que les anciens qui arrivera au mois de juillet. C'est-à-dire que tous les mois, là vous voyez que le prochain tournoi c'est que dans deux semaines. C'est qui le commentateur? Prochain tournoi ce n'est que dans deux semaines. Puisque après il y a les vacances, tout ça, et moi je ne serai pas forcément dispo, ça va être compliqué. Et donc c'est pour ça que j'ai avancé un petit peu la date du tournoi. Il y en aura un autre au mois de mars, il y en aura un autre normalement au mois d'avril, mai, juin. A priori, cette année, je devrais réussir à tenir. J'ai marqué toutes les dates. Donc, sauf problème, je devrais à peu près réussir à les tenir. À chaque tournoi, vous allez marquer des points en fonction de la phase là où vous allez arriver. Sachant que plus il y a de participants, enfin, s'il y a, le top 8 est streamé. Et que le top 8, ça c'est pour me permettre moi de faire des tournois plus petits, de plus facilement m'organiser. Il n'y a que le top 8 qui est streamé, le top 8 est sur un tableau à double élimination. Et s'il y a plus de 8 joueurs, ce que j'espère au moins sur la deuxième édition, ça arrivera. Ben ce sera sous forme de pool où je lancerai les matchs, il y aura le friendly comme on va l'avoir là. Il y aura le friendly. En attendant, les autres feront leur match de poule et ensuite bah, ceux qui sortent premiers des poules arriveront dans le tableau du top 8 et donc on assistera donc à au stream du tournoi top 8 et en fonction de là où vous arrivez, c'est à dire que si vous qualifiez hein, tout simplement pour le tableau final, vous avez 2 points. Voilà, si vous atteignez le top 4 vous avez 3 points, la finale 5 points, la grande finale 7 points et si vous gagnez vous avez 10 points. À la fin des différents tournois qualificatifs, c'est-à-dire au mois de juin, on fait les décomptes. Alors évidemment, dans le Discord, il y aura un lien vers le tableau avec la mise à jour des points. Je prendrai donc les 8 ou 16 meilleurs. Ça dépend du nombre de participants qu'il y a. Et ces personnes-là s'affronteront dans le tournoi du SKT du mois de juillet, qui sera donc le gros tournoi. Voilà. Et le prize money... Il y a trop de messages, hein. Je suis désolé, je suis obligé de me concentrer sur ce que je dis. Et le prize money, ce sera donc pour le gros tournoi du mois de juillet. Il sera donc plus important que le prize que je mettais sur les différents tournois. Et, excusez-moi, j'ai reçu un petit message, mais bref. Et donc, du coup, il sera réparti, effectivement, il y aura le vainqueur, évidemment, qui aura le meilleur... comment dire ? Salut, El Capo ! Le vainqueur, donc, aura la plus grosse somme, évidemment, et ça pourra... normalement, j'ai prévu de pouvoir mettre du prize money jusqu'au... jusqu'au top 4. Sur le tournoi principal, voilà. Donc, pour récompenser le plus de monde possible. Voilà, des questions, parce que du coup, je ne suis pas hyper concentré sur ce que je disais. Ton bot est un nazi. Oui, toujours. Et ça, il n'a toujours pas changé en plus. Et on va faire donc un match préliminaire entre Eren et Chocapic. Et donc, le vainqueur intégrera le top 8. Il intégrera quoi? Le top 8. Le tableau final. Le top 8 directement. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, mais bon, c'est parti, puis on va le streamer. Allez, les gars, go, go, go. Allez, go. Ah, ça vient de lancer. C'est parti pour le premier match. Bon, c'est déjà ce qu'ils veulent, on dirait une map plate. Ouais, une map plate, ça c'est sûr. Allez, gold. Mais bon, on sait que ça veut pas forcément dire grand chose, mais... C'est vrai, il y a beaucoup de fleurs dans le monde. C'est un truc qu'il faut passer les deux. Donc je vais plus laisser rouge hein, commenter, hein, parce que... Même quand je jouais beaucoup au jeu, j'avais du mal, donc... Y'a pas de soucis. T'sais, on dit que j'ai une grande gueule, et ben, je m'en sers un peu. Bah exactement. Ah ça, on se pique, Rocket Lancement est vraiment OP.
Et que si tu montais, c'est la meilleure arme à utiliser. Il y avait Flambia comme du répondant, c'est sympa. Son spacing sera un peu à revoir, mais. Il se défend bien. Est-ce que tu crois que j'aurais eu une chance? Contre qui? Sur ce match. Peut-être contre un bot. Je sais pas. Ah! À l'occasion d'une petite déconnexion. Oui. Allez, pour l'instant, c'est un match assez équilibré. Ouais, plutôt balance ces deux-là, ils se défendent bien. Les deux sont dans le rouge. Oh, grand point qui passe contre la Ricori, ça fait mal ça. Flambier l'avantage d'une stock. À sa place, je vois bien les guns parier là. On a dit parier, Flambier. Allez, Ryan. Ah, tout le monde t'a lâché dans le Discord là. Tous les mecs qui sont là habituellement. Ah, ça touche. Magnifique. Pas trop hydraté de vie donc c'est plutôt sympa. On enlève l'arme. Ah, bien sûr. Ouais. On enlève sa poêle. C'est important dans ce jeu. Ah oui. Alors, qui vais-je affronter moi, mon Sopic? Ah, bah pour l'instant, le tirage au sort du top 8 n'est pas fait donc. Ah bah je suis déjà dans le top 8. Ah bah oui. Oh. Félicitations. Merci. On t'a donné beaucoup de mal pour le faire. Je tenais à remercier ma famille, mes parents, surtout. Ok, je serais pas là. Ah bien joué. Rouge qui dit full merde. Bah oui, bah c'est... Ah, Flambi qui gagne cette deuxième stock. Sur Yann. Sunlight Ricori. Je galère à mettre personnellement. Un vieux combo de gun, mais qui marche pas chez moi. Allez, beaucoup de lances dans les fesses, on va essayer de se remettre à une stock partout. On va pas perdre trop de vie. Oh, la side Sig. Comme vous avez pu voir, le Sunlight des guns l'a pas touché. C'est légèrement sur avec la side Sig, ça c'est beau. Ah, on me demande le changement de commentaire. Hein. Aïe aïe aïe. Sinon après on peut s'y mettre à 3 hein, parce que moi j'ai pas grand chose à dire. Franchement je valide cette théorie. Ah, on peut avoir Ney pour son commentary technique et actif et rouge pour ouais. Niquez-vous à la fin, niquez-vous. La Sighty qui vient toucher. Et aussi. Allez, Eren qui est un peu dans la merde, il est dans le rouge. Ouais, il y a peut-être mecs qui s'en sortent, mais avec une neutralité d'Orient, c'est fini. Le sait, mec. Oh, ah, ah, voilà, ah. On l'a tous entendu, on l'a tous senti. Oh, il m'a fait peur. Oh, il m'a fait peur. Ah, dommage. Aïe, aïe, aïe. Eren aurait-tu laissé ta chance passer? Ouf. Ah, okay. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Oh, ça s'est pas passé. Oui, c'est serré. Ouais, c'est serré. Oh, fais gaffe, Ren, t'es un peu trop visible en faisant ça, trop fort. Ouais. Voilà. Ah, c'est fait. J'ai perdu ma flèche. Et le premier point pour ouais. Flambi, du coup. Est-ce qu'on partirait encore une fois sur une map plate? Ils ont bien décidé. Ouais. Comme d'habitude dans les tournois, une map plate, une flat. Ouais. Je sais pas c'est quoi cette main de prendre des maps plates. Bah je sais pas. Mais en ce moment il y a... Attends. Il y a 3 d'attaque, 3 de défense contre 3 de défense là mon père. Mais je l'avais dit de changer ça en plus ce débile. Oh, ouais. Tu m'écoutes pas le petit Ren. Ça va partir très vite en bas, en haut et sur les côtés. Ouais, oui, très fort. Bien. Attends, faut que je vois les pseudos parce que sinon je les ai pas vus, bah, ça va être un peu difficile. Alors Eren, c'est le patch. Eren, t'es Flambi, ouais, mais ok. Flambi qui commence déjà à mettre du retard sur Eralt. T'as tenté trop combo et ça ne passe pas. Mais nous devons rester impartial. Quoi? Nous devons rester impartial, voyons. C'est vrai.
La Zaïti qui va déjà passer, il va Zaïti sur le côté. La map est très très courte sur les côtés, on rappelle. Ouais. Sunlight Paris. Un petit peu Paris, ça attend. Ça attend les coups, on va dire. Il arrive quand il va passer peut-être. Et ça enchaîne encore une fois. Le, ah, il est trop mais où était, le, où était le grand point, mon gars? Porte les bottes, Flambi, allez. Ah, il est parti. Tu vas reprendre. Il y a rien qui reprend de l'avantage. Il passera pas le. Il down sig de touch, un truc dévastatrice. Alors, mon cher truc, il y a Arneano qui demande si c'est encore possible de s'inscrire pour le tournoi. Et la réponse, ouais, non, je m'étais mute, excusez-moi. Hérald qui a deux vies. La réponse c'est oui, c'est plus tard du coup. Oui, c'est un peu tard. Ah là là, c'est dommage. Pas d'un grand joueur quand même. Enfin, qui ne passera pas. Le Downs. Oh non, le punish. Ouf. Mais où le chase dodge? Suivi de chase dodge, le chase dodge, je n'ai pas passé malheureusement. Non, non, 3-0. Ah, Eren, tu as grid, mon ami, tu as grid. Tu as fait 3 erreurs dans ce jeu. Dariko avec son chase dodge. Touch et le 3 de défense. 3 erreurs fatales. Allez, randomize, c'est parti, tirage au sort. C'est bon, c'est en direct, vous voyez tout, vous voyez tout. Impeccable. Non, j'ai pas... Attention. Oui, à moi. Ping. Donc le voilà, premier match. Oulala, premier match, Soren contre Capo. Soren qui est le petit SK, vous voyez devant, qui représente Soken. Merci beaucoup, Soren. Donc ce sera le premier match préliminaire. Aussi on attaquera le top 8 avec Okabe, avec le vainqueur donc du match Soren Capo. On aura Flambi contre Poulpax, Duck contre Ney et un magnifique Rouge Gorge contre Machete. Okay, je contre je me demande à refaire le tirage. Aïe aïe aïe. Voilà, voilà, voilà. Et donc le perdant de 4, c'est-à-dire que le perdant entre Rouge Gorge et Machete affrontera donc le perdant entre Soren et Capo. Oh. Voilà, voilà, voilà. Bon, et eh ben écoutez, on va, je vais changer le nom des joueurs et puis on va pouvoir y aller. Hein. Non, est-ce que moi je me suis informé, il y a peut-être moyen qu'ils sortent de la map rapidement. Voilà, je remets les scores à 0. Donc on a Capo avec sa petite, son petit Ulgrim. Sa petite Ulgrim, j'ai dit. Et, hein. T'as dit, attends. Du côté de Capo, tandis que qu'est-ce qui te permet de prendre la faux. Qu'est-ce qui te permet de juger le sexe de Ulgrim, hein? Tu confonds expression de genre avec. Pardon. Oh, le tour de ah, attention. Oh, ouais, le tour de ça. Ah oui. C'est pas mal. C'est peut-être fatal chez nous. Light. Surtout chez toi. Never turn rouge, by the way. Yes. Coup de hache qui sont portés. Oh, Soren qui va peut-être la... prendre l'avantage chez Capo. Sur Capo. Les dernières qui vont passer. Ah, il a grid. Ah, Amethyst qui dit lag. Il crie au scandale. Qui c'est qui lag? C'est lui ou c'est Capo? Amethyst, apparemment. Ah, qui est parti? Nay est parti. Nay est parti. je vais devoir le faire revenir. Bah écoute, tu le chopes et tu le retournes, comme on dit. Ah mais ouais. il est parti. Oui, je crois bien. Soren qui va prendre, à remettre les stocks presque avant. Oh, oui effectivement il lag, l'ami. Je compte sur toi parce que j'ai en train de de changer les, ah, les oui, paramètres. Ah oui, pas de soucis, tu connais. De toute façon, dire de la merde, c'est bien connu, je suis nouveau pour ça. Alors, ça parie très fort du côté de Soren. On trouve une bonne... Oh oui, pendant le taunt. C'est ça qu'on veut voir! Mais oui! Oh magnifique! Spécial dédicace! Tu gagnes pas? Ouais, spécial dédicace! Tu gagnes pas, Soren, je sais pas ce qu'il faut faire! Ah, t'as tout donné! Oh oui! Ouais, c'est beau! Bon. Oh, c'est beau, Soren! Continue comme ça, mon ami! Oh là là! Capo qui va jouer de la neutre alerte pour se gratter de la vie! La sceptique débile de Capo qui vient de passer! Jamais l'aurait pu toucher, même dans un monde meilleur. Oh, le tonnerre grande pointe qui aurait pu tellement toucher. Je grille pas trop, Soren, ça sent la queue de faire une neutrale. Ah, quel dommage.
Restart, un stock, un stock. Bien serré, hein. Ouais, Sorel qui s'est entraîné. Et ça sent qu'il s'est entraîné le petit. Hein. Oh, il arrive bien à avoir une capot quand même. Capot entre nous qui est quand même 2100 ou 2200, je crois bien. Dans ses grands jours. Ah oui, quand même. Ouais. Comment on le dit pas assez souvent, mais je suis aussi en 2100, en 2v2, et en 2054 en arrière. Eh oui. Allez, Sopi, qu'il faut gagner. Alors, t'as pas suivi Phase. Lui, il a déjà perdu d'avance, hein. C'est différent. Oh, la première victoire. Il te l'a casé dans le huc. Et ça, c'est beau. Salut Razengan, alors non, tu peux pas t'inscrire pour ce tournoi-là, par contre tu peux t'inscrire pour le prochain tournoi qui aura lieu le... c'est marqué sur l'autre. Le 10 février. Le 10 février. Mais j'ai pas mis... c'est vrai que j'ai pas mis en place là... Parce que je fais toujours les choses qu'à moitié. C'est toujours le bordel, hein, évidemment. Eh oui. Je vais profiter du commentary de... magnifique commentary de Rouge pour préparer mes documents. Comme vous pouvez le voir, il avait même oublié mon pseudo. Ça, c'est bon. ça, c'est mon problème. Si je commence à faire deux trucs en même temps, c'est fini. Je peux pas finir. Je fais même pas mes phrases. Alors, Capo qui dit GDTP. Soren qui dit GDTP. Franchement, les gars, vous êtes solides. Hein. Niveau fair play, je pensais que vous voulez mieux que ça. Alors, les donneurs à la Axe de Jala. Ça a déjà la sword, n'est pas très solide, mais ça a déjà la axe. C'est déjà bien permis de casser des capots. Il n'arrive pas à toucher pour l'instant, quasi n'arrive pas à se mettre sur son rythme. Ah oui, il gratte une grosse vie d'avance. Là. À travers des armes de la part de capot. Oh, Soren, les mécaniques! Oh, dommage. Il a tenté le gimme du dernier espoir. Alors, moi, je peux pas suivre le match. Je suis très triste. Je suis en train de fermer le. Tu as JDR 972 qui dit comment on rejoint. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et c'est ça qu'on aime. J'arrive. T'inquiète pas, je dirais juste un truc, la trisomie n'est jamais finie. Alors, on s'en tire, on a bien parié, peut-être s'en sortir. On se capot. Problème étant qu'on peut pas parier une axe les amis, et oui. Alors très mal. Petit restart des stocks, 2-2. Pour l'instant ça juge du regard, j'ai plutôt l'impression, c'est mignon. Ça se met des petits coups de temps en temps. Pas de réel gros. Ça doit... Alors nous on voit pas le lag du tout. Hein. Lag non. Je pense que c'est un bon mensonge pour dire ouais j'ai perdu mais tu vois c'est... Là il m'a marqué j'ai lagué à mort, laisse tomber, j'ai plus de saut. Oh les petits combos la sword. Oula. C'est un peu bégayé là on peut le dire. C'est... Ouf, ça bégaye sévère au gun. Qu'est-ce qu'il est en train de dominer. Allez, Capo qui essaye de revenir. Hein. À un point partout. Non, c'est Kazé qui essaie de revenir à un point partout. À une stock. Non, un point, un match quoi. Ah. Bon, qui a gagné le dernier match? On est d'accord que c'était Capo. Ah non. Non. Mémoire me jouait des tableaux. Un partout. Un partout sur un match. Je crois que Ney veut nous rejoindre, attends. Ouais, salut Tyrick. Oh Tyrick, comment vas-tu mon ami? Allez, c'est parti pour le troisième match, déjà ils sont chauds. Et du coup quel rank de Kazé de Soren là? Raconte-nous. Le, pardon? Le rank, genre quel est son grade? Il est. Mmh. Bah, il est platine, ça c'est sûr. Ouais. Il y
Et après, je sais plus, je sais même plus à combien il est. Pourtant, j'avais regardé. Oh, capot qui commence à sortir les gros combos là, axe. D'entrée de jeu. C'est une tour à la travers, ça c'était beau par contre. Oh, propre ça. Yone. Yes, salut, j'aime bien les crashs. Ah, c'est comme ça qu'on t'aime aussi, nous. Je sais. Un peu plus de commentaires pour moi. Ouais. Alors, du voilà. Coup, un partout, c'est ça? Ouais, un partout, là. Ok. Voilà. Un grand pound qui ne passera pas, par contre, la recovery va passer hein, très bien dans la tête de Soren. Bah, tu vois, il va tuer le clash, le clash qui va tuer Capo et qui va mettre très bien Soren, du coup, parce qu'il a une petite avance. Il parie un peu, il va se mettre bien là, par contre. Le punch. Oh, attends. Le grand pound qui va pas passer. Le recovery, par contre, ça fait des recovery quand même. Oh, le side air de lâche de Capo. Toujours un lâche. C'est une petite HG Pride, comme on dit. Yes. Oh, les strings. Oh là, ça fait les strings entre guillemets. Les strings entre guillemets, mon gars, c'est un combo là. On voit bien qu'il exploite. C'est vrai. Capo qui a quand même pris un avantage du coup sur Soren. Ah. Et qui continue parce que la side il va passer très très clairement dans la tempe. Hein. C'est à dire qu'il s'est fait un peu biffer la figure là. Assez violent. Ah ça y est, ça touche. Ah enfin. C'est bon. Ah, là il fait encore une fois Crash Co. C'est comme ça qu'on l'aime mes amis. Meilleur caster du siècle. Aïe aïe aïe. Oh de... Voilà, c'est parfaite égalité. Beaucoup de tension dans ce match. Ouh, ça a raté la plateforme. Cap au petit avantage là. Ah, non, on va éviter ça. Ah, de la tricorie encore une fois. Je crois qu'Iren commence un peu à paniquer, il va au bord de l'Edgeguard. Mais sauf que c'est une très mauvaise idée contre la Sword. Oh, bien joué. Ouais, petit throw qu'il a bien secure. Ouais. De la tricorie encore une fois. Apparemment c'est bien apprécié aujourd'hui. Aïe aïe aïe, et voilà! Victoire de Capo, GG à lui. Après, allez, on va passer au top 8. OKB contre bah, Capo, du coup, qui enquille direct. Allez, ils sont partis. Je vais bouger le poulpax, vous inquiétez pas. Il va y avoir du monde. Hop là. 0-0, premier match du top 8. Alors, d'ores et déjà, hein, tous ceux qui sont dans le top 8, hein, tous ceux que vous allez voir maintenant. Sur le tableau winner, dans c'est déjà ils ont marqué des points pour le SKT du mois de juillet. Voilà. Solide. Et pour répondre à ta question, Métis, oui je suis diamant, oui je suis plate. Bonjour. Allô. Lord. Bonjour. Ouais d'accord, comme ça, sans rien dire. Bonjour à tous. Ah, on l'a dit gros, on l'a dit plusieurs fois, t'as qu'à écouter. Je ne suis pas sur le stream en fait. Je le savais, Poupax. Ça va, c'est que toi t'as répondu, non, non, s'il te plaît, non, rouge, non, fais pas ça, Billy. Mais je croyais que c'était une demande de ta part, moi aussi. Sachant que Ney a encore crash, de toute façon. Oui, bon, oui, mais je peux prendre la relève, mais j'étais sur merde. Smash. Je tombe sur Brawl. Ah, sinon... Sinon, je t'enlève. Hein. Bah si c'est pour faire un remplacement de Nemo, y'a pas de soucis, mais... Je joue après quoi. Bon alors, tu joues après, ouais, tu joues après. Capo, okay. Ouais, pour l'instant KB s'est fait un peu laminer. Oh ça cherche, Capo qui fait une bonne slide charge neutral Sig à la Sword. Solide. Ah KB qui tonne, ça c'est beau ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Je crois que j'ai formé toute une jeunesse à bois alors. Avec Capo, tu faisais des trop combos, le Night Sider, de Night Recovery. D'ailleurs, mon petit soupique, actuellement je traîne sur Brawl AFR pour apprendre aux gens à trash. Aïe aïe, le Don Light Sider, la lance. Tu fais mentor sur Brawl AFR, ouais. Eh oui. Je forme la jeunesse, mon gars. Allez, Capo, t'as un combo à connaître aussi. Side Light, neutral air. Allez. Le grand point qui tue, Capo.
deux vies chacun, légère avance pour Capo. Capo malmené hein, dans ce tournoi. C'est un problème aussi, Capo. Plus il prend cher, plus il se défend bien. Au début, il est un peu mou, après il est un peu dur. Depuis la dernière fois, il joue mieux. Merci pour Paris de m'avoir arrêté avant que ma connerie sorte entièrement. Je te connais, Rouge. Ah, merci, mon ami. Capo qui doit faire attention au dodge de KB. S'il veut essayer de le toucher avec l'axe. Ça dodge souvent in. Ça ne sort pas beaucoup des avantages de l'axe pour toucher les side air. Ah, match plutôt serré, hein, deux vies dans le rouge, les deux sont en kill option, sont en kill pourcent. Ah, oh, la donne c'est que ça t'a bien passé, je trouve. Peut-être les neutrales. Oh, donne c'est mensongeur. Ah oui, totalement. Le revers de la main qui touche. Ouais. Revers matriarcal qu'on appelle ça. Ah ouais. Ah, allez Capo, t'as juste ta build en attendant de mourir. Pas de presser, tu fais juste des dégâts, c'est de rentabiliser ta deuxième vie. Lance-toi oh, là au KB, peut-être qu'il trouve une Dawn Sig derrière les fagots. Ouais, solide aussi. Et Dawn Lightside Air, ça assure. Fabuleux. Fabuleux. De trou combo. Mitrailleur. Et Capo, efficacité, Dawn Light Recovery. Au KB, ok, c'est deux raids. Malheureusement, il ne connaît pas Capo qui spot dodge tout le temps. Capo, c'est le spot dodger fou. Si vous jouez contre lui, il spot dodge tout le temps. Vous pouvez y aller. La Dantic beaucoup trop loin, il se fait punish. Oh, bon songe là. Au KB, peut-être une Dawnlight Grand Pan unarmed. Attention. Ah là, c'est la pression là. Les deux sont dans l'orange. Le scroll, c'est la panique de garde de Capo. Le Dawnlight Side Air qui assure toujours les dégâts. Ah. Et faire attention, Capo, ça peut aussi tuer. Allez, Capo, side air. Non, commit pas sur les signes. Ah, au KB, qu'est-ce que ça fait? On punit. On punit. Alors, je sens que tu es avec Capo, toi. Bah, écoute, hein. Je vois que tu n'es pas impartial comme des. Oh. Et la bonne side sig. Ah oui. Capo. Forcément, ça te punit. Un peu trop commit. Ouais, un peu trop grid, même. C'est ça. Bullpax, je sais pas quand est-ce que tu vas partir en loser. Contre Machette en finale. Non, ou contre Capo si je fais vraiment. Mais je joue plus trop en ce moment, je joue surtout à Smash. Ah bah ça, voilà aussi. Il peut gagner. Hein. C'est comme moi, c'est comme Machette aussi. On joue plus trop. Bon, Machette il a encore gagné un tournoi hier, mais c'est pas ça, faut pas le dire. C'est tournoi de qui? De eSport for You. Il s'est fait $60. 60, solide. Ça tourne au début pour se dire bonjour. Bien Capo, bonne répartie. Bien, vas-y Capo. Oh, ah oh, oh, oh la déception du live. Ah. Oh non. Quel sous-chien ce Capo. Oh la side touche. Il tout donner. Oui, le Dawn Light Side Air des guns, toujours classique, ça touche. Après Sidelight, il devrait essayer de Sidelight aussi. Hein. Ça marche. Ouais. C'est pas trop, mais ça marche. Je vais me faire pour Brain, moi c'est Dawnlight, Sidelight, et après tu fais Sider. Ça marche bien. Hein? Mais quoi? Eh oui, mon ami, ça marche. Et la Side C qui connecte Capo à l'axe. Toujours une arme à 2 de cuit, ça change pas. Ah, les deux, ça fait au moins 4 de cuit, mon gars. C'est beau. Solide. Oh là, cette tige. Oulala. Au KB et Al Capo qui font pas trop attention au dodge hein, de leur adversaire. Ils pourraient se punir tellement. Entre Capo qui spot dodge et au KB qui dodge in à chaque fois. Mm-hmm. Et voilà, dodge in. Mm. Y'a pas trop de duel de mind game là, c'est plus du zoning. Mais Capo qui arrive à gratter des petits dégâts. Pour lui, tout ça sera toujours worse comme il soit en 3ème vie. Et voilà, il a plus. Deuxième. 2-2, au KB orange et Capo blanc. Capo n'est pas très bon pour raid, mais par contre pour zoner, pareil, il est bon. Ça, c'est un fin indéniable. Chacun son style de jeu. Oui, je ne critique pas, c'est juste que je dis juste que qualitativement, il est bon là-dedans. Oh.
Être bon de manière qualitative, c'est comme dire qu'un nom est négatif. Doucement, les phrases philosophiques. Philosophique. Ça touche. Ouais. On en est là. Ah, mais c'est d'accord. C'est compliqué, Capo. Ah. Oui, effectivement, c'est compliqué, Rouge. Ouais, c'est compliqué. Oula, Capo qui est parti pour le raid, il aurait pu 0 to death. On aurait pu tenter un Gimpo Qatar, mais... Le spot dodge de KB. Capo qui devrait faire plus attention à ça. Au KB, attention, la Celtic peut-être. Celtic de Capo. Ou El Capo qui trouve les rides avec les grandes pendes pour punir les spots de Jean Ledge. Recovery et la Don Sieg qui ne va pas tuer. J'ai connu une époque où ça tuait en range. Ah oui. Je l'ai connu. Au Twilight Grove particulièrement. Ah, c'était même avant que Twilight Grove sorte. Ah ouais, c'était pas là. Il y a une époque où ça tuait en genre jaune foncé. Elle était tellement forte la Don Sieg. Ah bon, en même temps, elle est dure à placer si tu la loupes. Là. Alors attention, attention au KB, attention. Oh, c'est fait. C'était une fusée. Et au KB qui part donc à ce niveau-là. Ok, donc effectivement, Flamby Bullpax. Ah, pour l'instant, t'as deux victoires, c'est pas si mal. Solide pour des TP. Alors, ce pique-moi un compteur de solide que je dis à la seconde. C'est pour t'être bien. Le compteur de quoi? De solide, que je dis à la seconde. Oula, tu m'en demandes trop là. C'est vrai que ça demande un montage incroyable. Tu marques juste solide plus 1 ou point 1. T'es bon. 3, 2, 1, roll. Bon allez, Bullpax, notre Flamby, match du siècle. Ça commence à la Sider. Notre arrière qui touche. Ah, Yone, en fin de retour. Comment te dire, j'adore. Je lui ai dit, t'inquiète pas, gros, notre Bullpax, c'était aussi bien. Oula. Ah, il se défend bien comme le Flamby. Alors, Bullpax a déjà gagné un SKT. Hein. Un accident de travail, voyons. Oh, là, c'est le bon air qui touche, incroyable. Bon, alors, si je me souviens bien, la room, c'est. T'es même plus dans la room. Alors, niveau de la room, 5, 3, 1, 2, 6. Hein? 5, 3, 1, 2, 6. Il n'y a plus pas ce qui arrive, parce qu'il arrive dans le orange. Là. Pour l'instant, c'est un unilatéral, c'est un peu triste. Il y a une vie d'écart, hein, avec un petit peu d'avance sur le public quand même. C'est un peu unilatéral comme match. Qui est le seul moins de 1682 Elo dans le tableau final. Plus le pied sa rocket lance. C'est vrai qu'il savait le jouer, c'est ok. Oh, la recovery qui va passer bien sûr et qui va enlever une vie à notre cher ami Flamby. Bah attends, ça s'est compliqué quand même pour Flamby là. Oh, oui. Il est déjà dans le orange, voire rouge, hein. Il va déjà sortir. Ouais. Oh. Ça va être un tristock peut-être de la part de c'est un tristock. C'est un tristock. Solide. Un joueur sérieux. Sugarpick, Humber, go. C'est sur seul moyen de gagner, Poulpit nous excusera. On s'est mis d'accord, on s'est concerté avec Ney, voilà. Allez, salut Ban. Dommage. Good luck à toi. Pauvre gars, Ney, pauvre gars. On lui a laissé une chance pourtant. Ouais, on lui a dit hein. Ouais. Par contre, Bullpax, je te jure, on a une game ultime à faire, mon gars. Je vais pas te lâcher. Ah, ça a changé quand même. Hein. Ragnar. Bullpax, il trouve déjà des petits strings là au cas. Oh! Il a récupéré son arme et fait une note arrière. C'est beau ça, solide. Voilà, il gratte vraiment fort. Cher ami, vous le pouvez ce qui avance déjà dans la stock des Flamby. Ouais, plutôt bien engagé pour l'instant. C'est déjà.
ça passe très très bien. Un coup il va mourir peut-être. Et ce coup là je crois bien. La mer. Oui. Il a passé un plein dans les yeux. Ça c'est du timing ça. Le Soren qui dit ouf. Voilà. Je veux des ouf dans le chat. C'est sérieux ça. Ah, le dashback donne bien joué ça. Vas-y Flamby. T'as un combo à connaître là avec ça. Loupé. L'escalier. Ça fait mal. Comme on dit. Puis qui avance tranquillement et qui va mettre une lame, qui va tuer bien sûr. Là c'est Rome là. Là c'est Rome qui vient de découvrir l'arc mec. Il roule sur tous les autres pays du monde. Mais ça passe très très bien sur Ring. Et oui. Allez Flamby, t'as encore une chance de lui enlever une vie. 3-0 c'est pas cool. Allez allez allez. Oui oh. Allez voilà. Bien joué Flamby. C'est qui va tuer plus de pays hein, ouais, sur voilà. Le Fate qui dit aussi ouf. Ah. Oh, quel bon. Très très bien en arme, mais qui va se prendre un bon petit combo. À la Axe. Et ça avance en arme. Ça prend pas, ouais. Poulpe, là tu vas le mourir, c'est normalement moi qui troll. Oh. Il a pas accepté de perdre sa stock là. C'est ça. Moi je dis, on retire une victoire à Poulpe. Comme ça, il lose. Ouais, clairement. Yes. Moi j'interdis le troll encore. La recovery qui va peut-être avantager Poulpe. Il est déjà avantagé, mais. Ah, ce vieux combo qui ne devrait pas passer. Des phrases préenregistrées dans la bouche. Hein. Oh, la site qui va peut-être passer. Enchaîner. Ah, le throw. Le throw ne va pas passer, malheureusement. La recovery qui ne va pas toucher non plus. Allez, je me fais un petit grace comme ça. Je l'arme toujours et qui va se tromper. Ouais, je sais qu'il va faire site, mais je le savais. J'aurais dit la même chose. J'aurais dit la même chose. Aïe 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 aïe. Down like ground pound in the ground. Aïe aïe aïe. Bien, je vais un peu le pied. 2-0. Allez, un petit Dux contre Ney. Dux Ney, oh c'est là Dux. Bon bah c'est le petit, je joue Mordex. J'aurais pas mis cette stance là, le stance of death sur Mordex c'est pas... J'aurais mis la stance d'attaque. Peut-être qu'ils vont se passer la manette au fur et à mesure. Ouh, le forceur. Puis il joue au clavier. Ah, ça joue à plat encore. Mordex Lucien. Normalement Lucien devrait avoir un petit avantage avec ses guns au niveau de la range, sachant que la sight et les gauntlets c'est extrêmement des armes de raid. Extrêmement des armes de raid, oui. Mais c'est des armes pour raid. Mais beaucoup de prio pour les Qatar par contre. Donc Qatar ou Qatar pour les Cora, Cora c'est. Ouais. Ça se zone, ça se cherche. De qui fait des dash dance. Allez. Oh, t'as fait l'avantage là, l'avantage. Ah, que dommage, on n'avait plus rien. Ouf. Oh, Lightsider encore. Full pack. Ouais, en mode se faire chier, mais un peu. Est-ce qu'ils auraient changé le grand point des gants, mec? Ils ont rien changé. J'explique ma réaction, hein. Ils me le disent tous les jours, même quand il n'y a pas eu de patch. Il y a un truc à changer. Non, parce que juste pour savoir, petite info, non. Plusieurs fois que je fais des grandes pendes au gant et que ça traverse les gars, littéralement. Ah mais tu fais débile rouge. Ah oui c'est vrai, pas pour moi. Bon, le match. Oui le match, bah Dux avantage. S'il avait balancé vers l'avant il l'aurait tué. Dux la Dunlight. Il va falloir essayer de tenter une recovery. Oh la la. Qualité. Ney au Qatar. Ney sans les Qatar. C'est toi. Ah, on a un petit Aleiné de Vechrome. Ah, Capote dit qu'il n'est pas un 2100, autant pour moi. Il n'est pas un 2100, il était un 2200 la saison dernière. Ah! Il y a deux saisons. Et autant pour moi, les deux saisons. Ce que j'avais dit, 2100, 2200. Bon, c'est plus ou even, tous les deux un stock dans le jaune. Ça buelle, c'est pas prendre trop de dégâts. Dux qui essaie de placer des tirs et des rites de spot dodge. Ce sont peut-être les combos unarmed avec les trois items pour récupérer son arme. Une arme contre la fosse peut être une bonne idée ça. Mais bon ça peut.
sachant que Lucien a quand même beaucoup de défense. Ouais, mais pas suffisant pour tanker ça. Raiko. Oh, oh, ça a bien soulevé. Allez, né. Et Dux. Bien rattrapé. Les deux joueurs qui arrivent à se trouver. Oh là là, né. Oh, né. Avec la double neutralaire. Attends, light peut-être une tour écorée. Oh, et les gravités cancel down light, né. Gun, faut y penser. Oh, le Dun. Dun Light qui va tuer. Aïe aïe aïe. La Dun Light qui avance vers l'avant ou qui ramène vers le centre du terrain. Peut choisir, c'est les active frames de cette arme. C'est pour ça que la sight est une arme assez précise. C'est vraiment une arme à part entière la sight. Hein. Elle ressemble pas à quelque chose de connu, genre la axe, la sword, tout ça, ça se ressemble. Alors que la sight a quand même des mécaniques bien à elle. Ouais, et plutôt avancé. Dux qui arrive à les exploiter, attention, oh, peut-être pour le Gimp. Oh oui. Oh, le Gimp qui passe. Est-ce que Dux va sortir G-Lag? Nous le saurons bientôt. Oui, il oui. Y a un lag. Non, mais... Dux, c'est énorme. Il y a souvent des problèmes de lag. Dux. Mais Dux a une connexion assez moyenne, dirons-nous. Simple, ça me paraît être une bonne définition, ouais. Bon, du coup, on est en troisième match du top 8, si je dis pas de bêtises. Exact. Du coup, après, on aura Rouge-Gorge contre Machette. Ouais. Oh. Personnellement, je vous tease une exécution publique. Aïe, aïe, aïe. Dis pas ça, voyons, bah, tu peux se défendre. Je vous tease une exécution sur la place publique. Vous pouvez acheter vos tomates sur le petit banquet que vous voyez à droite. D'ailleurs, j'en profite au passage. Flambi au KB, vous pouvez faire votre match de loser bracket, puisque vous êtes l'un contre l'autre. Mm-hmm. En gros, ils font de leur côté leur match et nous donnent le résultat. Bon, du coup, on a Ney et Dux qui cherchent toujours match-up gantelet pistolet. Ça peut le faire, mais Dux qui est quand même assez vif sur ses réactions. Il cover bien toutes les options de remontée de Ney. Toujours un match assez serré entre les deux. Ney qui, rappelons-le, était quand même à 2300 il y a peut-être 5 ou 6 saisons. Il a fait une grosse pause et maintenant il essaye de reprendre le jeu. Mais attends, il est plutôt aux alentours des 1700, 1600. Ah bah c'est comme moi. Ouais, il est remonté à 2000 quasiment. Comme moi. Il est remonté à 2000. J'ai fait une grosse pause. Toi aussi, Topic, t'as fait une grosse pause. Ouais. Et t'es à 2100 aussi. Ouais, j'étais en chemin quoi. J'ai pas eu le temps d'y arriver. Oh là là. Oh là là, Ney qui met des brains à base de droite-gauche. Ouais. Bug dash into dash in. Ney qui a bien compris que les guns c'était une bonne solution pour maintenir son adversaire à distance et pouvoir builder des... Oh là là, mais c'est très propre ça. Oula, Dux qui a un peu du mal, est-ce que... Allez, Ney, bon, ça va là. Peut-être le 0-3, il est encore sur la carrière. Oh là là, mais Dux qui a rattrapé son retard. Dommage. Alors en fait c'est un peu un match glass cannon, les deux arrivent à se mettre des bons gros combos mais ils arrivent pas à finir et ils meurent en 10 secondes. Dès qu'ils prennent le combo quoi. Et voilà, le grand pand. Dommage. Mais dommage, bien joué à la fois. Faut encourager Dux, tu vois. Dux qui essaye de trouver des rides avec les sidelights. Ney, l'agression, il a raison d'agresser, il faudrait pas trop qu'il agresse Ney, mais Dux a raison de jouer un peu avec la pression. Comme j'ai dit avant, faut juste qu'il build des dégâts pour que sa deuxième vie soit worse, qu'il puisse commencer sa dernière vie avec des dégâts d'avance. Des petits dégâts de gratte. Pas grave s'il fait pas de combo, et là Ney doit se dépêcher de le sortir, sinon la situation va vite devenir critique. Ney qui est déjà orange, Dux qui meurt toujours pas dans le rouge, avec Mordex. Oh, mauvais sens. Ça va plus être fatal, toi. Oh là là, la Dun Sig qui envoie dans le dos. Oh, le grand band qui a whiff de la part de Dex. Avec le volet peut-être, je crois. On rappelle que Lucien a 4 d'attaque avec la Sten, c'est 3 de base. Et ces Sig sont assez puissantes pour tuer, il faudrait qu'ils les utilisent plus, mais le problème c'est que c'est archi punissable. Oh, le read. Oh. Le read du Dodge XT avec la double sidelight into Rico. C'est bon, GG. Un petit 2 stock pour Dex, non? Ouais, ouais, petit 2 stock sur un read. Bah du coup, un partout on disait. Oh.
La finale, c'est parti. Allez, dernier match de ce BO3 entre Dux et Ney. On a quand même deux styles assez différents. Des Qatar, des guns contre une faux et des gantlettes. Mais Dux arrive à trouver des bons rides sur Ney. Et Ney qui avait improvisé des petites choses. Pas piqué des hannetons. Oh, c'est deux bons joueurs, c'est deux bons joueurs. Dux qui est vachement plus agressif quand même que Ney. Il essaye vraiment toujours de prendre. Et non, il ne faut jamais. Ne saute pas contre des gantlettes, Ney. Oh là là, la belle neutralité qui couvre la grande pande. On repart dans une situation d'Edgeguard. Dux essaie de placer des side air into downer. Oh. Mais peut-être la downlight. Ney side light. Non. Side light, downlight. Oh, le rythme qui a failli passer. Dux qui a réagi assez vite. Heureusement pour lui. Ça se cherche. Ney qui essaye de gratter, qui essaye de resserrer l'écart. Non, Mordex, ça tape quand même assez fort. Ouais, et ça tank assez bien aussi cette connerie. Ouais, aussi. Oh là là, Ney qui a failli. Qui a voulu vider le dodgin. Et l'Arico qui tue pas car on est Lucien. Notre Alcic peut-être de lui. Dux qui va chercher son arme, les Qatar qui touchent. Attention, on va pas se prendre un deuxième raid comme la dernière fois. Mmh. Et le Dunlight Rico. Oui, le classico del Madrido. Attention, Ney qui est dans un mood de tryhard. Peut-être la Dunlight qui touche. Il cover l'arme. Dux qui se sent un peu bloqué. Faudrait que Ney arrive à toucher assez Dux. Ça semble bien parti. Il le bloque dans les gardes, la petite neutrale. Comme Lucien qui fait peut-être pas beaucoup de dégâts mais qui tank assez bien aussi. 6 ou 7 de def. Oh, c'est quand même costaud. Ney qui a gratté des petits dégâts là. Et Ney qui casse-soit son avance. Wow. Oh. Ce petit H donner. Enfin une donner, peut-être le groupement. Et il aurait décalé encore un peu plus. Le chase dodge qu'il sauve. Dunlight, la donner. Il peut revenir, recovery. Dux le Rico, le grand pas. Il avait perdu Rico, mec. Il ne pouvait pas là. Ouais. Il a bien gratté, c'est propre. Quasiment une vie d'avance pour Ney, mais attention, ça peut aller très vite à la fois. Regardez-moi les side light. Donner, neutral light. Donner light, nightlight, neutral air. Aïe aïe aïe, Ney qui n'arrive pas. Hein. Jamais dungeon contre une faux. Toujours essayer d'imposer un peu de distance, mais bon, avec les Qatar c'est compliqué. Faut essayer de read. On a tous vu la Dunseek qui était un peu plus mauvaise. Sinon, il était mort. Je crois que Ney est mort. Ah non, il avait encore son, il avait son dodge. Match est quand même assez serré. On voit que ça fluctue. Ah oui. Ney qui a mis une option. Séance à Dux au début et la Dux qui s'est rebiffée. Capo qui nous dit dans le chat in-game la side COP. Mais oui, Capo, on t'aime bien nous aussi. Autour de Dox, il doit gratter les dégâts. Ney qui bouge pas assez. Ney qui devrait plus bouger. Malheureusement, les cycles de Lucien, 4 d'attaque. C'est là qui est plus une cycle défensive. Ou la cycle de l'arnaque, vous appelez comme vous voulez. Là, Ney qui se fait manger encore peut-être 2 stocks. Oh là là, le trio. Ney, Il a side cycle qui touche vraiment de loin. Terminé. Ah, oh, c'était beau quand même, c'est un beau match. Et maintenant les gars, le challenger incoming. Le main event, rouge blanche contre machette. Vous attendez tous ce match. Voilà, ils sont partis, je suis en train d'écrire les noms moi. On a Sidra, on a machette contre rouge gorge, ça va être beau. Je vais laisser les pires maps. Tu vois ce que je veux faire, mec. Oui, bah, tu vas y aller à base de Dunseek quoi. Non. Ça va être une surprise pour personne. Non, pas de Dunseek gros, c'est idiot les Dunseek. Non, j'ai bien vu que ça. Ça te caractériserait bien pourtant. Et allez, je suis bien ici. Ah, je vous laisse là-dessus les boys. Ouais, salut Thierry, merci d'être passé. Ça me fait plaisir. Alors, on a machette contre Rouge Gorge, attention. Rouge Gorge qui est sur le papier est donné perdant, mais il peut surprendre avec des sorcelleries ou des arnaques moldeurs. Dont il a le secret. Eh oui. Bon, attendez-vous soit voir un match de 30 secondes ou un match de 8 minutes. Et ça va être chaud. 30 secondes. Aïe aïe aïe. Rouge qui tente des feintes, mais machette qu'on rappelle qui est quand même semi-pro. Ah, tu vois, il a gagné, le tournoi eSport for You hier. Eh oui. Semi-pro, ça veut dire Il est sponsor, mais il fait pas des résultats à tous les tournois et il va pas en LAN. D'accord. Il est quand même sponsor.
Et cette année, il y aura des LAN de Brawl, bah, les DreamHack, Nice et de... J'ai oublié la deuxième ville. C'est Nice et... Bon, j'ai oublié, bref, by the way. C'est Nice plus, et une autre, et il y aura Brawlhalla à ces deux DreamHack. Dommage. Ce sera après le premier, la première DreamHack française à accueillir Brawlhalla. Ce sera la première DreamHack à accueillir le cadavre de Machete. Vous inquiétez pas les gars, je monte. Il est pas, t'inquiète pas, je crois pas qu'il écoute le live. Hein. Parfait. Non, capot, c'est pas Strasbourg. Non. Lyon, non? Non. Ça... je saurais pas dire, je sais qu'il y en a une, c'est Nice, mais de l'autre j'oublie. Faudrait demander à Joseph. Je devrais être au courant. Bon, refou le match. Ah. Pas très intéressant avec base de neutral Sig, hein. Et le 2 stock. Aïe 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 aïe! Machette qui assit sa supériorité. Alors attendez. On va voir la supériorité de qui là. Oi 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 oi. Rouge qui est énervé, qui sort son vrai main. Attention parce que Rouge, quand il vous dit qu'il sort son main, bah tous les jours ça change. Mais d'une force cosmique. Non, Rouge, il n'y a rien qui a changé sur la roquette lance, l'épée, le canon ou le marteau. Voilà, tu es fixé. Tu peux jouer, c'est tranquille. On a le match Rouge qui fait semblant d'AFK, qui a fait sa petite strat. Mais comment me ride-t-il aussi bien en Ah, ça fait 2 ans que je joue avec toi, je commence à te connaître. Rouge qui pousse Machette en edge, mais attention avec un canon quand même, ça peut aller très vite. Surtout les neutral Sig qui touchent un mid-air. Bon, j'ai rien pour descendre dessus. Il en a pris déjà 4, peut-être 5. 5, attention 6, peut-être 6, la 6ème. Et jamais 5 sans 6, comme on dit. Et le grand pan. Oula, avec les donners. Aïe, 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 Machette qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu avec un grand pan. Il aura pareil, il remonte. Pareil, ouais, gros nage. Rouge qui est de mauvaise foi sur ce match. Je reconnais, ça c'est vrai. Ça va peut-être sûrement être le tristock hein, pour Machette. Ouais, oui, bien sûr. Mais Rouge qui va utiliser les arnaques des donners comme un certain joueur que nous n'aimerons pas ici, que nous connaissons très bien. 2-2, c'est peut-être pas autant une exécution qu'on le pensait. Et regardez-moi ce pari. Peut-être arnaquer. Alors lui, c'est lui qui m'arnaque Moldav là. Je suis désolé. Alors les gars, je suis au-dessus de lui en grande pente normalement. La Dancing qui touche par rapport au grand pan. C'est normal. Rouge qui grid un move. Qu'aurait pas été ouf. Sur le grand pan, peut-être la deuxième Rico. Rouge qui tue. Profite ça. Sauf ce suicide. Et il donne le kill Machette. 2-1. Et dire que ça c'est faux, bah putain, mal de Salut Mams. Salut Maman Strauss. C'est Mams. Salut Mams, pour les intimes. Ouais, c'est ça. Attends, t'es arnaque. Ça se cherche toujours, hein, mais Rouge qui essaye d'arnaquer une deuxième vie. Il a déjà réussi à en arnaquer une, peut-être une deuxième, pourquoi pas. Machette avec les Dunsig. Rouge qui n'a pas peur d'y aller en arme. Mais depuis quand j'ai peur de ce jeu, mec, sérieusement? Bah, j'ai envie de te dire, Peggy va te tuer en fait. C'est pas gentil. Et ça. Il loupe les trop combos. Ah, je suis vivant. Aïe aïe aïe, toujours en vie. Neutral, lancer d'armes. A l'aide, je vais me suicider. La donner, non. Rouge qui survit, mais pour combien de temps? Peut-être la neutral Sig de Machette. Non, il a. Ah là là, on a pari aussi, les gars. Qu'est-ce que... Oh la neutral air. Au canon. Il a pas passé de balls en rien, voilà ce que j'en pense. En attendant, OKB a mis 2-0 à Flamby et donc qui est qualifié pour le prochain tour de la Loser Bracket. Vous allez pouvoir faire votre match également, Rouge contre Soren. Votre match de Loser Bracket. Mais hors stream, hein, puisque nous on va passer au Top 4. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.